grâce à un film exhumé des archives, preuve incontestable pour remonter le temps, nous vous invitons à vivre à Anu en 1952. Suivons la flèche, vers la ville du cœur, dont le nom commence par un H aspiré, propre au S bignon et à l'accent du terroir. Anu s'éveille, les rues s'animent, le représentant de la loi précède les ouvriers en bleu de travail, et Jules Pirapré s'empresse à vélo dans la rue Albert Ier. Le livreur de la ferme Mours vient achalander le magasin en bon péqué. Les ouvrières de la capillerie prennent le chemin de l'usine et, très ponctuel, l'employé des contributions attend l'ouverture des bureaux. Rue Joseph Wauters, Madame Ezekom a le souci de propreté traditionnelle. Deux ouvrières se hâtent vers la capsulerie en saluant les riverains au passage. Monsieur Laurent patiente avec philosophie devant l'atelier de décoration de la saboterie anutoise. Le boucher Léon Deleuze donne galamment en pas de conduite à sa charmante cliente. Notre athlète Joseph Ramakers sort de l'impasse Martin pour s'engager dans la rue Lambert-Motard où les sœurs Goffard forment un comité d'accueil. À l'heure de midi, les écoliers rentrent à la maison en empruntant la rue Ernest Malvaux. Nous y retrouvons des riverains aux figures bien sympathiques. Léon Podom semble très occupé avec les trois enfants Leclerc sur sa monture à deux roues. Victor Scalet, le policier gentleman, engage ses jeunes voisines un sourire de séduction pour la postérité. Son fils assiste au spectacle avec un regard interrogateur. Sur la grande place de Hanu, le boulanger de Wasseige sort de son camion de grande tarte et fait appel aux bonnes volontés pour l'aider à servir le quartier de la Générale. Nous sommes ici au stoppage national créé par Colin et l'Orcouard. Sur la route de Wavre, voici le stoppage Teukers où les patrons, leurs enfants et leurs ouvrières s'accordent une pause pour les plaisirs de l'objectif. Revenant vers la Grand Place, nous retrouvons le grand humoriste Jules Prudhomme, dit Pampan, et sa jeune épouse, Gisèle Dessart. Voici M. Stas, toujours fringant et sémillant, qui fait un clin d'œil à la caméra. Si l'œil amusé de René Décembre à la fenêtre des élégants. Madame Prudhomme est allée aider son fiston au café de la Bourse. Toujours calme et fataliste, Émile Royer imagine sans aucun doute une bonne blague à raconter. L'après-midi, et la caméra fait une incursion dans la cour de récréation du collège Sainte-Croix, où les révérends, toujours en soutane des croisiers, font une surveillance bon enfant dans la foule des élèves plus préoccupés par les jeux que par l'attrait de la science. C'est l'époque de la belle adolescence, et chacun y va de son petit numéro. Le hasard veut qu'on voit en compagnie les deux frères croisiers desservant la chapelle des sœurs Clarisse. L'initiative de la compagnie d'assurance des propriétaires réunis, un hélicoptère vient offrir le baptême de l'air à des Anutois. Messieurs Gustin, Volon, Peters, De Villers, Peigneur et Vigneron constituent la cheville ouvrière de ce qui deviendra notre crosse internationale.
l'époque héroïque où les douches limitent un rinçage à la gauloise et où le striptease est une offense aux bonnes mœurs. Aussi faut-il garantir une discrétion très pudique. Le très dévoué Georges Pirotte, secrétaire du football, délègue les honneurs du club à Marcel Van Hoven. Celui-ci reçoit un bon du directeur de la compagnie d'assurance pour un athlète blessé. À l'initiative de notre agent à Warren, M. Momers, et qui a également un grand volume d'affaires à Amu, le personnel navigant et le personnel cinéaste de la compagnie, les propriétaires réunis, qui soignent sa propagande éducative, a décidé de faire vis-à-vis de vous autres un geste concernant l'œuvre éminemment bienfaisante du service de nos collègues blessés. Nous vous offrons ceci et nous espérons que ça lui sera agréable. Je vous remercie, monsieur, et au nom du Football Club Renutois, je remercie les propriétaires réunis qui ont bien voulu organiser cette petite séance en honneur du Football Club Renutois et spécialement pour le camarade blessé. Ça va très bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Oui, merci. Les cadets de la Croix-Rouge assurent l'animation dans le public par leur nombre et leur bonne humeur. Oscar Haine et son fils Roger sont de la partie et s'échangent quelques confidences. Madame Boré manifeste sa joie après son baptême de lait. Le comité de la Croix-Rouge est à ses côtés, dont le docteur Giroule et le percepteur Léonard. Le mailleur Gustin n'est pas peu fier d'être en compagnie de ses deux filles, dont Martine, qui semble être envahie par une crise de timidité. Roger N, à son tour, joue au papa, prévenant avec sa petite fille très intéressée par le spectacle. La famille Spira, qui laisse généreusement le passage aux athlètes sur cette terre, a aussi les honneurs de notre reportage. N'est-ce pas une prémonition du rôle important que jouera Annie au sein de l'athlétisme amutois? Charles Salle fait la mise à l'objectif. Arthur Amante fait le rôle du clown de service. C'est le moment de passer en revue les figures sympathiques de la route de Tirlemont. La famille Mours et l'architecte Borgers sont les spectateurs privilégiés du cross inter-école. Un dernier tour de manivelle nous montre les élèves de l'Athénée, parmi lesquels le futur échevin Matteau et tous ses compagnons de classe et de sortie. Il est attendrissant de revoir des figures de légende, telles celles du papa Rousseau, du papa Wanson, des humoristes Zazet et Leblon, ainsi que la fierté des papas Paco et Boll en présence de leurs garçonnets. Un tour gratuit en hélicoptère en 1952, c'est un exploit. La remise des diplômes fait des heureux, et on les comprend. Alors, au revoir à Annie des années 50. Nous vous saluons, et avec vous, le révérend père en barrette ecclésiastique. Délivrer l'Anutois de ce stress et qui va les conduire pour la deuxième fois en division 3. Léon, tu es le plus ancien joueur de Anu. Je crois que...